Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vais faire une vidéo slime où je vais mélanger 10 couleurs de peinture différentes. Alors voilà les 10 couleurs, je vous les montre toutes en même temps. Maintenant c'est à vous de me dire en commentaire de quelle couleur va être mon slime d'après vous. Donc il y a du jaune, du vert, du rouge, du bleu, il y a du doré, du argenté, du bronze, du vert métallique, du blanc. Je pense que j'ai tout cité, après j'en ai peut-être oublié mais c'est pas grave. Enfin bref, de toute façon, vous les voyez. J'espère que ça va être joli. Moi, je ne sais pas du tout à quoi il va ressembler. Je vais en mettre à peu près, genre un petit peu de chaque. Je vais essayer de mettre à peu près la même quantité à chaque fois dans un seul et même slime. J'ai quand même hâte de voir la couleur que ça va donner. Bien sûr, je vais mettre ça en petite quantité car une fois, j'avais fait une vidéo avec trop de peinture et ça avait été la catastrophe. Le slime bah, n'était pas du tout un slime, ne s'étirait pas, c'était une pâte bizarre et tout qui m'en laissait plein les mains. Donc c'est pour ça que je vais en mettre à peu près une goutte à chaque fois. Normalement ça devrait largement suffire, surtout qu'il y a 10 couleurs. Donc c'est parti, je vais commencer par mettre ma colle qui est une colle verte. Alors est-ce que vous allez avoir raison en commentaire pour la couleur que vous voyez pour ce slime? J'irai voir vos commentaires par curiosité, de toute façon je vais les voir à chaque vidéo. Donc j'ai vraiment mis pas mal de colle, je ne sais pas si vous voyez, voilà c'est mon bol vert de d'habitude. Donc c'est parti, je vais commencer par mettre genre 3 ou 4 couleurs et ensuite je vais mélanger pour voir déjà ce que ça nous donne comme couleur. Mais ça peut très vite changer. Donc je commence par le vert métallique, je vais mettre à peu près ça par couleur à chaque fois. Ensuite j'ajoute du blanc. Mince. J'en ai mis un petit peu à côté. Ça a bavé sur le côté. Regardez. Puis ça a bavé de l'autre côté aussi. Enfin bref. Je commence bien. Je suis désolée pour ma voix. Ça fait plusieurs jours que ça dure. Mais j'ai une allergie au pollen malheureusement. Allez. Du bleu métallique. Donc le bleu j'en ai presque plus. Je sais même pas. Ah si. Oh, j'en ai mis trop par rapport aux autres couleurs. C'est pas grave. Et du rose. Donc je vais déjà mélanger ces quatre couleurs-là après. Là, c'est du rose, rose fluo. Donc c'est parti. Là, je pense que ça va être violet métallique. J'en sais rien. Oh, c'est super joli, regardez. Comment c'est trop trop beau. Eh bien non, ce n'est pas violet, c'est un bleu gris qu'on obtient. Waouh, il est super beau. Attendez, je récupère le blanc sur le côté là. Super sympa. Pour l'instant, ça commence bien pour les quatre premières couleurs que j'ai mises. Donc là, je vais ajouter trois autres couleurs. Le rouge, le doré et le bronze. Pour voir si ça va beaucoup nous changer la couleur ou pas de notre slime. J'espère en bien si ça la change. Donc le rouge, j'en ai presque plus. J'ai réussi à en mettre un petit peu. Ah, ça y est. Allez, le bronze. J'ai beaucoup de couleurs métalliques, donc peut-être qu'on aura un beau résultat. Et le doré. Si j'arrive à l'ouvrir. Hop. Allez, je vais mélanger ça et on va voir ce que ça va donner. Est-ce que ça va nous changer beaucoup notre couleur? C'est tellement satisfaisant de mélanger les couleurs comme ça. Oula, on va avoir un gros changement. Hey, ça tourne un petit peu sur le rose violet. Waouh, super sympa, je ne m'attendais pas à ça. C'est tout à l'heure que je m'attendais à un violet et du coup je l'obtiens maintenant. Waouh, c'est trop beau, c'est métallique, j'adore. Et maintenant, il me reste encore trois couleurs, donc le argenté, le vert et le jaune. Donc je pense que ça peut vraiment changer encore la couleur. C'est vraiment super sympa de voir le changement à chaque fois. Ah, ça y est. Ouais, il coule vraiment bizarrement celui-ci. Je sais pas pourquoi. Ah oui, c'est parce que ça a séché un petit peu sur le dessus. Allez, le jaune. Qui n'a pas été ouvert d'ailleurs. Hop.
pensais que c'était un jaune fluo, mais c'est plus un jaune pâle. Il est super pâle. Et le argenté, bien sûr, pour la fin. Allez, c'est parti pour le mélange. Et on aura la couleur finale. C'est super joli, j'adore. Mais écoutez, du coup, ça n'a pas changé grand-chose. Quoique, on n'est plus du tout dans du violet. Ah, c'est plus un marron. Ah, je sais pas trop. Hein. Ça reste quand même un petit peu violet, un marron violet. Je sais pas. Je sais pas. Dites-moi quelle couleur vous voyez, vous. C'est pas une couleur qu'on voit très souvent. Mais en tous les cas, elle est très jolie. C'est très métallique. Maintenant, il n'y a plus qu'à espérer que notre slime sera bien étirable, vu la quantité de peinture qu'il y a dans notre colle. Mais j'adore le résultat. Donc c'est parti, je vais former mon slime et on va voir si il s'étire bien. Comme d'habitude, je vais utiliser le borax pour former mon slime. Je pense que je peux en mettre une pipette entière tout de suite maintenant. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cette couleur. Moi, je la trouve super sympa. Oula. J'ai l'impression qu'il y a trop de peinture. Heureusement que ça avait commencé à se former autrement, il y en aurait eu partout. Là, j'ai eu quand même de la chance. Oh, le bol qui me lâche des mains, quoi. Vous imaginez s'il n'avait pas été formé, on est passé à côté d'une grosse catastrophe. Il y en aurait eu partout. Il s'est vite formé, je trouve ça très bizarre. Je pense que c'est à cause de la peinture. Il y aura peut-être trop de peinture, pourtant j'en ai mis qu'un tout petit peu à chaque fois. On va voir à quoi il ressemble après. Au niveau texture. Waouh, il est dur à sortir du bol. Voilà, j'ai quasiment tout enlevé. Allez, on va le travailler un petit peu à la main. J'ai mis qu'une seule pipette. En fait, ça va. Il colle un petit peu au doigt encore. Je vais peut-être rajouter un petit peu de borax. Je m'attendais à pire, je pensais qu'il n'allait pas s'étirer, mais en fait, ça va. Je vais quand même rajouter du borax parce qu'il colle vraiment pas mal. Je ne vais pas en mettre beaucoup non plus. J'en reviens pas, j'aurais eu que de la peinture sans borax, que de la peinture et de la colle dans le bol, ça aurait été la catastrophe. J'ai quand même pas mal de chance. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la couleur, si vous vous attendiez à ça. Quel est le nom de cette couleur? Écoutez, moi je pense que ça tourne un petit peu sur le violet et le gris peut-être. Gris-marron, je sais pas trop. Ce n'est pas non plus une couleur exceptionnelle, mais je trouve la couleur plutôt pas mal, une couleur qu'on ne voit pas souvent. Et franchement, la texture, je suis agréablement surprise. J'aime bien. Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas les pouces bleus, partagez et abonnez-vous. Bisous les amis!